Zombie apocalypse. Salut à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Gesso Gaming pour la suite de The Evil Waiting. Donc nous sommes rendus au chapitre 11. Ça commence à avancer quand même. J'espère que je vais moins chier à ce chapitre-là que l'ancien, enfin que le chapitre 10. Parce que le chapitre 10 c'était vraiment long, nerveusement. Okay, déjà le chapitre qui commence très bien. Ok, on atterrit comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Retrouvaille. Attends, je me repère quand même. Pourquoi t'as longtemps que je vais en avoir besoin, mec ? Non, c'est pas par là. Et je suis con encore, ce pas possible. Ah non, ça va être par là, bon, il faut sortir. Ok, point de contrôle, direct. On dirait que l'asile est le dernier bâtiment encore debout. Comment c'est possible? Je me pose un peu la question comme toi. Comme par hasard. Le manège aussi qui est encore debout. Hein. Bon, dans tous les cas, je regarde si s'il n'y a pas des balles ou juste comme ça, comme d'hab. Bon, déjà, on est en extérieur. Déjà, je préfère. Ah ouais, sympa le trou. Je ne sais plus par où passer. Je vois un camion. J'ai presque cassé la gueule. Putain. Je suis pas discrète parce que là je pense pas qu'il y a forcément besoin. Après, c'est moi qui le trompe, hein, mais. Après ça, je le prends aussi forcément. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vise, franchement? Alors, j'attends un peu que ça se désenvue, enfin, qu'il y a moins de fumée, on va dire ça comme ça. Parce que sinon, je ne vois pas grand chose. C'est pas cool. Attends, sérieux quoi. Ah, par contre, je vais prendre le pistolet. T'as là, le mur, il se rebouge un peu. T'es mort, mon gars. Là, t'es cuit. Ça je prends
aussi, forcément, hein, c'est logique. Ok, ça je prends. Ça je prends. Oh, un sapeur-pompier! C'est mal, hein, ça tient. T'es en mode rien à foutre ou je rêve? C'est pas grave, mon gars, t'inquiète pas. J'ai toujours quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour toi? Voilà. Ah ouais, à mon avis, il fallait faire péter en fait son truc derrière. Trop mort. Ah, c'est plus simple comme ça. Allez, forcément, t'as rien si t'as quelque chose comme ça. Y'a les maps. Ouais, à mon avis, il faut péter sa bonbonne de gaz. Sa bonbonne de je sais pas quoi d'ailleurs. Putain, c'est pas vrai. Non, est-ce que tu veux prendre le fusil à pompe? Le fusil de précision, viens. Monter comme monsieur? Non, bah non, forcément, t'aurais pas pu, toi. Ça aurait été trop beau. Oh yes! Ce fut magnifique. Magnifique. Ah, j'ai 23 000 quand même, alors que j'ai monétisé un peu ça. Alors j'ignore complètement si je l'ai eu. Mais comme ça, c'est super valo. Voilà. Là, c'est on n'a pas le droit à l'erreur. Clairement, si tu fais une erreur, t'as plus de balles, t'es comme un. Putain, c'est fermé, chouette. Chouette. Hein. Alors, là, on a ça. Alors, ensuite. Là, j'ai des balles. Là. Non, c'est des grenades, même pas des balles. Ok. Ok. D'accord, je me disais aussi, je tourne un peu en rond. Ouais, c'était pas qu'une impression. C'était pas qu'une impression. Bon, moi, je vais prendre l'échelle. Je sais pas qu'elle mène. Je vais voir ça. Elle mène nulle part. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Ok, c'est cool. Hop là. Hop là. On a quoi là, parce que... Ah là! Nickel. Bon, c'est quelque chose pour moi?
Oh, je prends, hein. C'est toujours bon à prendre, de toute façon. Voilà. Là, il y a ça. Pas d'allumettes. Le snipe. Porte-clés trouvés près du corps dans l'allée, on se savait protéger le matériel dans la zone de stockage. Putain, non mais sérieux. Wow, 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 qu'est-ce que tu fais toi? De secours, voilà. Ouais, effet secondaire, mais bon, au moins on va être un peu bien. Bah, ouais, mais mon gars, le truc c'est quand même que t'avances, je sais pas. Bon, sinon, comment ça se passe dans l'aventure? Ça c'est couillon, c'est vraiment couillon. Ok. Alors, voilà comment on fait un feu. Voilà. Vous avez compris les gars? Là, et ça je prends aussi évidemment. Mais ils sont combien à venir? C'est vrai. Ah, si je peux le garder pour recharger. Hop. Ensuite, hop, plus de précision. Ah ça, je l'entends tirer, y'a pas de problème. Alors. Ok, tu es là. C'est que c'est ce que je fais, mais c'est exactement. Ok. Alors. On va prendre de l'explosif. Parce que je pense que vraiment, c'est ce qui va être le mieux à faire. Rien à foutre. Voilà. Voilà. Au moins, on l'a vu. Enfin, je crois. Putain, il est pas mort! Non, mais sans déconner. Et voilà.
Hop, là, on va plus de feu complètement. Voilà. On prend du gel. On prend des balles. Et là, normalement, on pourra sortir, je crois, non ? Bah, je l'entends plus, l'autre, en fait. Donc, je me dis que... Peut-être que... Il se peut que... Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? J'ai vu là-bas, mon garçon. Il reste une balle. Elle est pour toi. Ok, super. Voilà, bouge. Ah, j'avais un doute. Putain. Que c'est? Okay, je pense que c'est par là. Point de contrôle. Oh merde! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il faut que je fasse quoi là? Faut que je fasse quoi avec cette grosse bestiole là? Non, j'aurais bien voulu faire ça pourtant. Mais mec, je lui demande de monter. Non, 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 non. Parce que moi, je pensais qu'en fait, je serais pu monter à gauche. Justement, ça l'aurait attiré. Ça l'aurait attiré. Et du coup, en l'attirant, bah, j'aurais pu lui tirer dessus, quoi. Au prochain point, du coup. Mais en fait, non, je peux pas vraiment pas bouger. Sous peine de me faire dégommer la truffe. Voilà, hein. Avec les mots simples. Bon. Alors, mon petit garçon... qu'est-ce qui pourrait te faire mal, toi? Tu vas faire un petit aveuglant, mais je peux pas trop le faire. Ah, c'est con, un truc d'électricité, là, ça lui aurait fait bien du bien, ça. Bien du bien, c'est vachement français, ce que je viens de te dire. Parce que normalement l'eau avec l'électricité ça fait jamais bon ménage hein. Je vais pas dire mais bon. Je vais réfléchir en fait comment faire. C'est pas vrai, tout à l'heure je voulais aller là, monter sur le camion et oui, mais non, apparemment c'est plus possible. Thank you.
au stress. Où est-il? Je suis pas rendu au bout de ma peine. Hein. Je dois toucher apparemment. Putain, j'essaye hein, pourtant de retenter l'expérience, mais là, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça m'étonne qu'il faut le buter, quoi, parce que vous imaginez les balles de snipe, de pistolet, de fusil à pompe et tout. Pas, ça me paraît louche, en fait. Ça énorme, en fait, à buter, quoi. Je vais passer de côté, voir ce qu'il y a. Parce que là, moi je sais pas, mon gars, moi je mets toi, je monterai quand même dessus quoi. T'es pas très intelligent pour ça, mais. Il faut l'effrayer. Facile. Non plus. J'essaye hein, pourtant de trouver une solution. J'essaye vraiment. Au pire, je ferai une ellipse sans me trouver, mais je sais pas. Je trouve ça bizarre en fait. Pour moi, je peux pas le buter. Mais en même temps, je peux pas passer. À moins d'avoir une énorme chance, forcément. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai aucun truc, en fait, pour faire écrire, donc... Juste un aveuglant, donc au pire, ouais, je peux mettre l'aveuglant, mais... Après, me dépêcher comme mon smal, mais... Allez mec, montre, voilà, montre. Il reste dessus, tu ne bouges plus. Ça sera très bien comme ça, mon garçon. Prochaine étape, allez là-bas. Non, mais c'est quoi ce bordel? Oh, bah là, c'est mort. Non, mais genre, vous montez sur une voiture. Voilà, on se protège, vous savez, normal et tout. Et comme par hasard, la voiture, elle se dit, tiens, si je me retournais, si j'allais prendre le bain de soleil de l'autre côté, hein? Non, mais je vais essayer de la voir, mais à mon avis, j'ai du mal à y croire, on va dire, quoi, parce que bon, je sais pas, quoi. C'est con, hein, je serais en live, putain, je voudrais demander la question, que faire? Mais bon, là, je ne suis pas en live. Bah oui, bah tiens, voilà. Bon, chouette.
Chouette, chouette, chouette. C'est la fête. Ah, ça m'emmerde, franchement. Que faire? Que faire? À pompe, à cœur. C'est pas que 5 balles de pompe que ça va niquer le mec. Hein. Le mec, la créature, il y a une balle de foutu. Ou alors si justement. Parce que là du coup il va s'occuper de la créature, enfin de la du cadavre. Et moi j'ai le temps de passer. Eh hey, pas con la meuf quand elle veut. Voilà. Bon, j'ai bien précisé, hein. Pas con la meuf quand elle veut. Là, c'est pas toi qui bouge. Moi, je saute et je m'en vais. Non, vas-y, j'y suis. Là. Allez. Hop là. Eh ouais, ma gueule. Quoi? T'as cru que j'étais une femme facile? T'as cru que t'as pu me bouffer les fesses comme ça? Que t'allais faire de moi un steak? Eh ben non! Je retournerai pas dans l'autre sitôt. Ça, c'est sûr. Eh ben, moi, je vous laisse là. Hein, après une belle victoire... en ayant compris... combien de temps après? Je sais pas. Hein, mais bon, voilà. Fallait comprendre en même temps. C'est vrai que j'avais pas compris directement le principe. Mais bon, c'est pas grave. Pourtant, c'est que c'est passé. Donc on se laisse là, et du coup, bah, on est rendu au chapitre 11, partie 1, et on va se retrouver pour la chapitre 11, partie 2, dès demain. Voilà les gamers, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt sur GSO Gaming.